Mon intention de création, en fait, c'est vraiment de parler, en fait, de la critique sur le fait que les gens prennent pas vraiment connaissance des conséquences qu'ils peuvent faire sur la nature en jetant des déchets par terre ou juste ce qu'on peut faire pour polluer la planète. Puis, en fait, je fais une sculpture où est-ce qu'on voit vraiment ce détail-là, que je vais intégrer les déchets. Puis dans mon œuvre 2D, on voit vraiment aussi, je mets des couleurs plus neutres, gris-blanc, pour vraiment montrer ce côté-là de mon intention de création. Intéressée sur les phénomènes naturels, mais beaucoup plus les montagnes que j'avais travaillé beaucoup là-dessus. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était important un peu d'intégrer ce sujet-là à mon ESP. Puis mes autres œuvres ont contribué à ça, où est-ce que je me suis vraiment intéressée aux phénomènes naturels qu'on a dans notre vie. J'ai toujours aimé les plus grands formats parce que je trouve qu'on s'intègre beaucoup plus parmi le projet qu'on a réalisé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon œuvre 2D vraiment plus gros pour que ça soit plus provocateur, je trouve. Pour que les gens voient vraiment plus l'intention de création que je veux montrer.